car un écurzi. Tu fais juste régurgiter, toi. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, mon bébé? Arrête ça tout de suite, les mamans. Là, là, ça suffit. Levez-vous, levez-vous. Allez vous habiller. Non, 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 on arrête ça. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous partager mes activités préférées à faire avec mon bébé à la maison. Avec les temps qu'on vit aujourd'hui, beaucoup de choses sont maintenant fermées, sont confinées. Il y a peu de choses qu'on peut faire à l'extérieur, voire même juste rencontrer les membres de notre famille et tout. Donc, ça peut être difficile de rester clôturé entre nos quatre murs de la maison avec notre petit bébé, notre tout nouveau-né. Détrompez-vous, ce n'est pas parce que c'est un bébé qu'il n'y a rien à faire avec lui ou encore qu'il ne comprend rien, qu'il est trop fragile. Je vais vraiment vous partager des choses super intéressantes, autant pour vous que pour votre bébé, des choses divertissantes, des choses stimulantes qui vont aider le développement de votre bébé, mais également qui va vous aider, vous les mamans, à prendre soin de vous post-accouchement. Mon bébé s'en va sur ses 5 mois et ce sont des choses que je fais avec lui depuis ses 3 mois. Donc, 1 et 2 mois, on est encore dans notre cocon, on fait pas beaucoup de choses et tout. C'est sûr, c'est un nouveau-né et tout. On est en train d'apprendre la routine et tout ça. Mais à partir de 3 mois, ce sont vraiment des activités que j'adore faire avec mon bébé et que je fais jusqu'à maintenant. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Lutzky, je suis maman de 3 enfants. Je viens tout juste d'accoucher de mon 3e bébé, comme que je viens de vous dire. Il s'en va sur ses 5 moi. Et sur cette chaîne, je vous partage de tout sur la maternité, sur la vie de femme, sur la vie de maman, sur le bien-être personnel, bref, un peu de tout. Et ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver ici aujourd'hui. Bon, la première activité que je vous partage n'est pas tout à fait une activité que vous pouvez faire entre les quatre murs de votre maison, mais disons autour de votre maison, et c'est d'aller prendre une simple marche avec votre bébé, que ce soit en poussette, que ce soit en porte-bébé. Sortez et aérez-vous, ça va oxygéner votre corps, mais autant le corps de votre bébé. Ça va changer le mal de place, ça va vous faire changer d'air, ça va vous faire prendre de l'air frais. Et ne trouvez pas comme excuse le fait que les temps froids sont maintenant à nos portes, qu'il fait de plus en plus froid. Il y a toutes sortes de manières de pouvoir vous emballer et d'emballer votre bébé adéquatement afin que vous puissiez profiter des températures, même si celles-ci sont un petit peu plus fraîches. Si vous êtes quelqu'un d'un peu plus sportif, n'hésitez pas à aller faire du cardio poussette avec bébé, donc d'aller courir à l'extérieur. Ça va être super, surtout pour vous après votre accouchement. Ça va être une très bonne façon de pouvoir venir vous remettre en forme tranquillement mais sûrement. La prochaine activité que vous pouvez faire avec votre bébé englobe plusieurs activités. En bref, c'est vraiment de faire de la stimulation avec votre bébé. Donc, toutes les activités de motricité, venir placer votre bébé en tummy time sur son tapis d'éveil, aller le stimuler de toutes sortes de façons, que ce soit avec des jouets, que ce soit avec des sons, les sons de votre bouche, les sons de la musique et tout. Si vous n'avez pas d'idée de comment vous pouvez vous prendre, vous sentez maladroite, vous avez peur de pas bien vous y prendre, vous pouvez trouver plein d'idées sur internet, mais je vous conseille également l'application Baby Sparks que je vous ai parlé il y a très très longtemps sur ma chaîne. Je vais vous mettre la vidéo juste ici pour avoir les détails de cette application et vous allez pouvoir avoir tellement d'idées d'activités que vous pouvez faire avec votre enfant pour stimuler les différentes sphères du développement de l'enfant. Et cette application-là suit votre enfant jusqu'à l'âge de 2 ans, si je ne me trompe pas. Et les activités sont vraiment adaptées à l'âge de votre enfant. Des heures de plaisir, autant pour vous que pour votre bébé. Filmez-le, prenez des photos. Vous vous apprêtiez à faire votre séance de sport et bébé s'est finalement réveillé de sa micro-sieste. Donc, vous décidez d'arrêter le tout. C'est trop facile d'utiliser l'excuse comme quoi qu'on est avec bébé à la maison et qu'on n'a pas le temps de faire de l'entraînement à la maison. Vous pouvez prendre un petit 30 minutes de votre journée pour vous, les mamans, vous remettre en forme. Et là, on parle d'activités à faire avec votre bébé. Eh bien, utilisez votre bébé dans vos entraînements. Votre bébé peut vous accompagner au travers de vos différents exercices et vous pouvez surtout l'utiliser comme un poids. Et oui,
vous pouvez l'utiliser comme poids. Et moi, de mon côté, je l'ai fait avec mes 3 enfants et c'est tout le temps le même résultat chez l'enfant. Ils adorent ça. En tout cas, mes enfants, ils adorent. Ça les fait tellement rire de passer d'un côté à l'autre, d'être soulevés. Donc, n'hésitez pas à utiliser votre bébé comme poids. Votre bébé n'est pas une excuse pour ne pas vous entraîner. Quelque chose d'autre que j'aime bien faire avec mon bébé parfois pendant la journée, c'est de faire une petite routine de bain, massage, bien-être et détente. Habituellement, je le fais vraiment tout le temps le soir dans la routine du dodo. Mais parfois, lorsqu'on a un bébé qui passe une journée un petit peu plus difficile, c'est bien agréable pour lui d'avoir un petit moment de bain, de massage et de détente. Mettez de la musique calme, douce, apaisante. N'hésitez pas également à chauffer la pièce et ça va vraiment vous mettre, vous et votre bébé, dans un état de quiétude, dans un état de paix. Et ça va venir rassurer votre bébé aussi et parfois même bien mener vers une sieste et aider à calmer un bébé qui passait une journée un peu plus difficile. Vous connaissez mon amour pour les livres. Lire des livres d'histoire à mon bébé est vraiment une activité que j'aime faire avec lui. Là, il ne faut pas encore une fois sous-estimer nos bébés, dire qu'ils sont beaucoup trop petits pour la lecture et tout. Il y a des livres adaptés à tous les âges. Et même si que ce sont des livres avec des écritures que bébé ne peut pas lire et tout, ne les sous-estimez pas, ne sous-estimez pas leur subconscient. Déjà, comme que je vous dis, il y a des livres adaptés à tous les âges. Donc, juste le fait que bébé puisse voir c'est quoi un livre, qu'il puisse voir dans les sens qu'on tourne les pages d'un livre, qu'il puisse le manipuler et tout. Et n'ayez crainte, il y a, comme je vous ai dit, il y a des livres pour les bébés aussi, donc des livres en plastique. Donc si bébé vient la porter à sa bouche, il n'y a aucun danger. Il y a des livres en carton, donc les pages ne peuvent pas couper les petits doigts fragiles de bébé. Et le fait d'exposer bébé souvent à des livres va pouvoir aider à ce que bébé apprécie la lecture en grandissant plus tard, apprécie être en présence de livres et à apprendre à les découvrir. Donc, laissez votre bébé manipuler les livres, même si ce n'est pas vous qui racontez l'histoire. Laissez-lui manipuler les livres, regardez les couleurs, regardez les images. Je vous dis, ce n'est pas une activité que vous faites pour rien, ça va être vraiment bénéfique pour le futur. Ça crée encore une fois un beau moment de détente, un beau moment maman-bébé. Vous pouvez faire ce moment-là n'importe quand dans la journée. Vous pouvez l'intégrer aussi dans votre routine du soir avec bébé, que ce soit après le bain ou autre. Bref, une belle activité à faire avec bébé et ne le sous-estimez pas, ça vaut vraiment la peine. Une autre activité qui peut être super intéressante à faire avec votre bébé, c'est de danser. Et oui, danser avec votre bébé. Bébé adore ça. En tout cas, de mon côté, c'est quelque chose que bébé aime beaucoup. Ça vous aide à bouger, ça vous permet de rester actif, ça fait bébé bouger également. Ça divertit bébé aussi grandement. Et si jamais vous trouvez que bébé est trop lourd dans les bras, n'hésitez pas à le mettre en porte-bébé. Et je vous invite aussi à aller faire des petites recherches sur YouTube. Vous allez pouvoir trouver des belles chorégraphies que vous pouvez faire avec votre bébé en porte-bébé. Ce sont mes activités préférées à faire avec mon bébé en ce temps de confinement, en ce temps où on ne peut pas sortir beaucoup, qu'on est très souvent à la maison. Je peux vous dire que ça permet de bien passer les journées, que ça fait que c'est un bébé qui est très diverti, qui est très éveillé, qui a grand plaisir à passer ses journées avec maman et moi j'ai grand plaisir à passer mes journées avec lui. Donc, si jamais vous avez d'autres idées d'activités qu'on peut faire avec notre bébé à la maison, n'hésitez pas à nous les partager dans les commentaires. Ça me ferait vraiment des plaisirs de découvrir ce que vous, vous faites chez vous avec vos bébés et de pouvoir les essayer moi aussi de mon côté avec mon bébé. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Les liens sont affichés à l'écran et je vous les mets également en barre d'informations. Et d'ici ma prochaine vidéo, je vous envoie une belle dose d'amour. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!